Bonjour à tous, bonjour les biquettes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch. Donc, merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Pour les nouveaux, si vous avez la possibilité de vous abonner, de liker les vidéos que vous aimez et de cocher la cloche pour suivre toutes les nouvelles vidéos que je fais, merci à vous. Si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Overlord of Chaos, un jeu sur téléphone. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus déjà. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur ma chaîne YouTube, sur la playlist d'Overlord. Et si vous voulez que je fasse une vidéo bien précise sur un jeu ou sur ce jeu, bah laissez-moi un petit commentaire, j'essaierai de la faire si je peux. Hop, j'envoie vite c'est ça et combat. Voilà. Alors donc aujourd'hui on se retrouve sur cette petite vidéo pour vous parler un petit peu des héros. Je vais vous montrer. Alors, il n'y a pas de tier list encore sur le jeu. Il n'y a pas de tier list. Moi non plus, je n'ai pas de tier list non plus. Mais je vais vous montrer un petit peu, on va dire, les bons héros à essayer de monter un petit peu au début. Voilà. Je ne connais pas tous les héros, donc je ne peux pas vous donner de tier list. Donc ce sera un petit peu les héros que je conseille à monter. À XP, voilà, pour avancer bien. Alors ici vous avez vos petits héros. Quand vous cliquez ici, vous avez les factions, voilà, donc épée, arc, cavalerie, ça c'est le truc de siège et éléphant, voilà. Quand vous cliquez ici avec la faction, vous voyez tout ce qui est légendaire et épique. Donc, bien sûr, ne surtout pas monter cela en level, voilà. Vous aurez cela à utiliser pour monter cela. Alors aussi à regarder pour des légendaires, vous avez une petite différence. Ici vous avez le cadre et vous voyez par rapport à ici, ils sont différents. Vous voyez, là et là c'est différent. Donc là, ceux-là ils sont un petit peu meilleurs que ceux-là. Au niveau, en gros c'est des légendaires supérieurs et ceux-là un petit peu en dessous. Et vous voyez, le cadre nous sont un petit peu au-dessus. Alors ici, vous avez des recommandations de team. Voilà. Donc, des recommandations de team. Donc là, par exemple, là, vous avez, si vous avez tous ces héros-là, vous avez la préliminary, fort infanterie, voilà. Vous avez des petites unités. Voilà, lui, là, si j'ai presque fond. Il vous propose des petites teams. Voilà. Et ils vous disent à peu près la formation que c'est, etc. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, toutes les teams, ce sont des légendaries un peu évoluées. Vous voyez que le signe autour, il n'y a pas les petits basiques. Hein. Voilà. Et après, c'est ranking. Mais vous voyez, rating que 4 étoiles là. Alors que ceux-là font 5 étoiles. Voilà. Donc là, vous pouvez en choisir. Ah, là, il y en a une normale là. Mais vous pouvez choisir un petit peu comme ça. Voilà. Après, sinon, quand vous regardez un petit peu au niveau des rankings des autres joueurs, les CP, voilà. Donc là, si je regarde lui, vous voyez à peu près qui ils ont monté. Donc là, elle a monté, elle, bah, ça parce qu'à mon avis, c'est parce qu'elle n'avait pas trop le choix. Voilà, ça montait bien. Mais là, lui, il a des couleurs basiques. Mais bon, lui, il a dû mettre des... Il a dû enchaîner les sous hein, pour monter aussi vite. Fais voir le classement. On voit la différence, regardez la différence par rapport au... Parce que niveau poids et puissance, il n'y a pas trop de différence. Hein. Donc, voilà. Donc, après. Donc, moi, personnellement, je trouve que César est un des meilleurs. Je trouve, franchement, il est vraiment pas mal à monter. Donc, je pense que celui-là, si vous avez la possibilité, hein, dans le mode épée, à le monter, c'est un des prioritaires. Voilà. Après, vous avez le petit roi Arthur qui passe en second. Et je pense que pour l'instant, les deux qui sont là sont pas mal utilisés. Après, vous pouvez monter les autres qui sont aussi. Hein, mais dans les épées, je trouve que les deux qui sont là sont quand même meilleurs. Surtout, bien sûr, comme je vous ai dit, pas trop évolués. Ceux qui sont là, pas trop haut. Principalement ceux qui sont avec les cercles. Après, niveau arche comme ça. Là je sais pas trop, faudra que je regarde. Ici lui est pas trop mal, le cavalier.
Voilà. À monter aussi, je trouve. Ici, elle est pas mal du tout à monter. Malheureusement, les deux nanés sont compliqués à avoir. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Ils sont un peu compliqués à avoir. Si on regarde. Attends. Donc vous voyez un petit peu ceux qui sont les plus montés. Donc là, vous voyez que elle, celle que je vous montrais tout à l'heure, est pas mal montée chez lui. Bon, bah, après, il a monté tous les héros, donc c'est pas une. Voilà. Mais ils ont tous à peu près monté, sinon à part elle, qui vient monter. C'est l'un des deux qui sont là, voilà. Le cheveu noir ou le cheveu blanc. Donc, quand vous allez là-dessus, ici. Ici, donc c'est celui-ci, voilà, Divine Jung, et lui. Donc c'est ceux qui a monté un peu dans les principaux, voilà, les meilleurs. Ce sont un des trois qui sont là apparemment, qui sont pas trop mal dans le rayon jaune. Après, quand vous regardez ici, chez les violets, voilà. Donc là, c'est plutôt Méduse, bah, vous voyez, hein. Voilà, Méduse, 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 il y a tout le monde qui a monté Méduse. Après aussi, il y a eu un événement spécial Méduse, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont pas mal. Et il y a elle. Voilà. Donc on va dessus. Donc voilà, c'est Méduse. Et la petite dernière, c'est elle. Mais justement, Méduse, il y a eu un événement, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont monté pas mal. Après, au niveau ranking, donc chez les rouges, donc vous voyez, c'est surtout le César qui est pas mal. Pas mal monté, le César est très très fort, je trouve. Je montais pas mal. Après, vous avez le Mister qui est là. Hop. Donc, c'est lui. C'est Charlemagne qui est pas trop mal non plus. Ah, ouais, ils ont 4. Le Charlemagne qui est pas trop mal. Ah, l'autre bouton. Après, chez les verts, il vous conseille. Ouais, c'est plutôt le rouge, apparemment. Barbe rouge. Lui, ils l'ont monté, mais il est normal, lui, je crois. Et voilà. Ouais, lui, il est monté, mais il n'est pas très. Il est pas terrible. Et lui non plus. Apparemment, ils ont tous monté ceux-là, mais ils sont pas ouf. Parce qu'ils ont moins de compétences. Vous voyez, ils ont 3 compétences. Alors que si vous prenez ceux-là, ils ont du 4 compétences. Mais il y a été lui qui était monté. Donc apparemment, Hannibal n'est pas trop mal non plus. Après, comme je vous ai dit, il n'y a pas encore de tier list. Donc c'est plutôt pour l'instant à regarder un petit peu qui les autres ont pour monter. Donc là, le chevalier, comme je vous ai montré. Ouais, c'est Cacao lui aussi à monter. Donc voilà, ouais, il y a Cacao qui est là et le chevalier qui est pas trop mal. Donc voilà. Donc alors, si vous avez la possibilité, bien sûr, hein, c'est toujours si vous avez la possibilité, priorisez bien sûr ceux qui ont le symbole comme ça au lieu de cela. Voilà, pour monter. Ici, chez les épées, bah, les deux qui sont là, donc César, franchement César, il vaut tout le monde, franchement il est vraiment pas mal. César et Arthur, c'est ça, hein? César et Arthur. Chez les arbalètes, donc c'est plutôt lui, donc Hannibal, je crois que j'ai vu lui aussi, le Lubu, voilà. Après, chez les cavaliers, plutôt monté Zayun. Zao Yon, voilà, et Cacao, voilà. Chez les anciens engins de siège, plutôt elle, donc divinité Diao Chan, voilà. Et après les deux qui sont ici, donc Zhang Zia, voilà, et Liu Qi. Et après, chez les éléphants, bah, Méduse,
Voilà. Et celle qu'on a vu aussi, Athéna. Voilà, ce sont les prix, je pense, priorités. Après, l'idéal, c'est de regarder dans les recommandations. Donc, une team à voir, qui est pas trop mal, par rapport aux héros que tout le monde prend un petit peu. Donc, ouais. Après, je regarde par rapport à César, parce que César, moi, j'aime bien. César, il y a le César qui est ici. Donc là, César, et là, César. Donc l'idéal, moi je vous conseillerais, ça serait peut-être prendre celle-ci. Parce que César est pas mal. Et vous avez aussi Arthur. Mais là, vous voyez, c'est pour spécial fort infanterie. Donc c'est pas mal d'infanterie avec un éléphant. Donc c'est pas vraiment ouf, ouf. Hein. Donc après, là c'est spécial cavalerie. Là c'est cavalerie aussi. Donc ouais, peut-être celle-ci, bah après c'est par rapport à vous, ceux qui avaient civilisation. Ça, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, les héros à essayer d'avoir. Donc voilà, quand bien sûr, quand il y aura une tier list, j'hésiterai pas à vous faire profiter de la tier list si jamais je l'ai. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne game, et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne journée à tous, ciao ciao!